Yo les amis, c'est Panafox, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment invoquer Herobrine sur Minecraft. Alors bien sûr ça marche sur toutes les plateformes mobiles, Switch, PC, bref sur toutes les plateformes. Alors déjà vous allez mettre au mode le mode de le mettre créatif, ce sera vachement plus facile que mettre en survie, mais bon après voilà. Et le type de monde vous mettez en ancien, c'est très important. Et surtout ce qui est encore plus important, c'est la graine. Vous mettez exactement la même graine que moi. Ok, donc déjà vous allez mettre 6, 7, 8. Après 9, 0, 8. Attendez, parce que j'avais écrit sur un papier, je crois. Voilà. Après vous mettez 5, 4, 3. Et 8, 7. Voilà, vous mettez exactement la même graine que moi, c'est très important. Sinon, malheureusement, Herobrine ne va pas apparaître. Dès que vous avez fait ça, vous allez créer votre... Putain, c'est quoi cette notif? Merde. Bref, du coup, vous allez créer le monde. Voilà. Du coup, on se retrouve quand je suis apparu dans le monde. Donc, voilà, dès que vous vous trouvez dans le monde, vous allez dans l'inventaire. Voilà. Donc voilà, vous allez prendre exactement les mêmes items que moi, du coup. Voilà. Après, vous devrez faire comme moi. Déjà, alors, pour invoquer Herobrine, déjà, le totem. Vous allez faire 4 trous comme ça, de 4. Normalement, vous devrez avoir une croix. Voilà. Donc, sur les 4 trous, vous mettez ça, voilà. Vous mettez 4 roches de Nether. Après... ici, vous mettez un sable des âmes, hein, très important. Ici, vous mettez des blocs d'or autour. Ah non, 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 vous mettez... Putain, je suis con. Vous devez pas mettre de blocs d'or. Vous devez mettre des trucs de redstone, comme ça, pardon, désolé, parce que... Voilà, voilà, vous devez faire exactement comme moi, comme ça. Voilà, vous faites 3 blocs de roche. Voilà. Après, vous cassez le truc du roche ici et vous mettez un truc de redstone. Voilà. Après, vous mettez un bloc d'or ici. Voilà, normalement ça devrait ressembler à ça. Après ça, vous mettez des blocs d'or tout autour du totem qu'on avait fait. Alors bien sûr, voilà, ça ne sert pas à rien ce qu'on a fait au début, hein, ça sert toujours. Parce que si vous faites pas ce qu'il y a en dessous, bah, du coup, ça va pas marcher du coup le totem. Après, ici, vous mettez des trucs de Steve, des têtes de Steve. Voilà, vous mettez des têtes de Steve, très important. Après, vous devez mettre... un truc comme ça, un truc comme ça, et un truc comme ça. Voilà, vous devez mettre ça. Après, vous allez mettre 4 torches de redstone juste ici. Voilà, alors normalement, le totem devrait ressembler à ça. Après vous mettez une roche de Nether ici sur le dessus. Attends, et vous devez prendre un briquet. Merde, j'ai oublié le briquet, putain. Après, vous prenez un briquet. Putain, il est où le briquet? Briquet! Tu es où, briquet, monsieur le briquet? Sinon, on va faire dans les barres de recherche. Voilà. Briquet. Voilà. Briquet à silex. Après, vous mettez le truc comme ça, ici. Voilà, donc normalement le totem devrait ressembler à ça, voilà. Une fois que vous avez fini le totem, vous devrez attendre 5 minutes. Bon, quand les 5 minutes sont passées, on se rejoint tout de suite après. Après les 5 minutes, normalement, il devrait avoir de l'orage. Donc s'il y a de l'orage, ça veut dire que Herobrine est là, Herobrine est bien présent sur la map, ça veut dire que votre totem a marché. Voilà, une fois qu'il y a l'orage. Une fois qu'il y a l'orage, il faudrait le chercher sur la map, bien sûr.
Alors, ça peut prendre du temps, c'est-à-dire ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça dépend le temps de la map, genre. Bon, du coup, voilà, ici il n'y a rien. Putain, il y a des bugs de collision là. Enfin, pas les collisions, mais les bugs. Putain, je peux pas passer, vas-y, fais chier. Imagine, Herobrine, il est là-bas, frère. Oh putain, j'en ai marre. Du coup, on va le chercher. Alors, où tu es, Mr. Herobrine? J'ai un accent anglais de merde. Oh, attends, ils ont fait une nouvelle mise à jour de mettre les trucs en blanc là, les. Bref, on n'est pas là pour ça. Bon, oh là là. Bon, les gars, ça fait 5 minutes que je cherche. Et je trouve rien. Wesh. Attends, quoi? Wesh. Attends, mais c'était pas là avant. En plus, c'est à côté du totem, mais je l'avais pas vu tout à l'heure. Attends, mais. Attends, mais il n'y avait pas ça avant, wesh. Non, 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 non. Attends, quoi? Il n'y avait pas ça avant. Oui! Attends! Wesh! Oui, j'avais vu un truc là-bas! J'avais vu un truc là-bas, mec! Non, 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 attends, je rêve. What? Attends, non. Frère, non, 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 moi je m'éloigne du truc, je m'éloigne du truc. Frère, je vous jure, je l'ai pas mis. Je vous jure. Eh, hey, je vous jure sur. Putain. Ah ouais, ça fait flipper. Ah, ça c'est un zombie, j'ai eu peur, putain. Non, c'est un squelette, merde. Attends, mais d'où les squelettes maintenant, ils ont. J'avais pas mis le mode de difficulté au mode normal. Comme au mode difficile. Attends, mais Herobrine, il s'est fait des complices ou quoi là, wesh? Ok, il y a le totem là-bas, ok. Ah non, 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 par contre, ça fait flipper. Hein. Putain, what the fuck. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous. Je vais arrêter ici parce que ça commence déjà à faire flipper. Voilà. Du coup, les gars, je vous laisse et ciao, à plus. Putain, what the fuck.